que le consommateur soit mieux informé dans ses choix, surtout quand il a envie de faire des choix climat, environnement, biodiversité pour l'avenir. Quand vous donnez une pomme à un gamin, c'est quand même important de savoir s'il y a des pesticides, parce qu'il n'y a pas que l'impact sur le CO2 sur le climat, mais aussi l'impact sur la santé. Donc c'est pour ça que nous, on est favorable plutôt à Planet Score. Il y a un mensonge sur l'information pour le consommateur. Il va se dire, bon, ben, si je prends EcoScore, c'est A, donc c'est bon. Or, quand on va dans le détail, c'est pas bon sur les pesticides. Tous les sondages le montrent, il y a une vraie demande de la part des consommateurs pour indiquer la présence et l'impact des pesticides au niveau environnemental et au niveau santé. Il y a des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Il y a des doutes sur l'itinéraire technique des productions. Donc, c'est ce boulot-là que fait le Planet Score par rapport au PEF qui, lui, est très réducteur et n'intègre pas tous ces paramètres liés notamment à la biodiversité et au climat et peut noter très bien des produits, y compris des produits non bio, alors que les produits bio donnent ces garanties-là. Pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse, pas d'OGM et du bien-être animal, ce qui n'est pas toujours garanti dans des produits qu'on importe.